Trouver un club de haut niveau et un club professionnel en moins de 90 jours, avoir un plan d'entraînement d'élite hyper détaillé et avoir le plan pour avoir la préparation mentale adéquate pour devenir un joueur de haut niveau, tout est disponible dans une vidéo gratuite qui est disponible en description. Dans celle-ci, on voit ensemble tous ces différents détails et ces trois piliers pour que tu puisses dès maintenant accélérer ta carrière pour devenir un joueur de haut niveau. En retrait s'il te plaît, en retrait. Il est parti! Ah, dommage! Bien joué contre le 3 quarts, super! Bien joué Isma! Là, on est au très haut niveau, mais le très 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 haut niveau, c'est je fais une diff et derrière, c'est efficace. Hyper intelligent. Ça se voit, le 10, il a des qualités, mais il doit se faire déboîter à l'entraînement parce qu'il joue à 2 à l'heure. Je suis coach, je le déboîte. J'ai envie de péter un câble. Là, j'ai envie de péter un câble. T'es du haut niveau, t'es du 17, c'est une faute professionnelle. Tu dois marquer. Salut la team NE, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va analyser un match qui a l'air, je pense, intéressant. U17 NAS Toulouse FC contre l'Olympique de Marseille. Comme d'habitude, allez vous abonner à la chaîne YouTube HKZ Football. Il y a 10 000 vues en 6 jours au moment où je te fais cette vidéo. Donc ça a l'air potentiellement d'intéresser le peuple. Donc le peuple veut ça, je lui donne ça comme analyse. Et excusez-moi pour la dernière fois, la team, hein, j'avais oublié de couper le son. Là, je l'ai bien coupé et l'analyse, elle était pas très cool, quoi. Allez, on va analyser ce match, j'espère qu'il est intéressant. Donc le Toulouse FC, j'espère que je ne me trompe pas, Marseille, je vois leur logo, c'est blanc, Toulouse, ok. Physiquement, on est sur quelque chose d'homogène. Ouais, ce gardien-là, lui, c'est... Sache, gardien, que t'es grand, ok. Donc sache que... t'as beaucoup de chances de passer pro. Il suffit juste que tu fasses du renforcement musculaire par la suite. Là, t'es en pleine croissance. On voit un peu que faut que tu développes ce côté-là. Vitesse au sol, vitesse d'appui. Et après, tu continues et tu finiras pro, quoi. Sauf si mentalement, tu craques vite. Alors, 3, ok, c'est gaucher. Il a du ballon, il aime croquer. On va se régaler avec lui. Le profil défenseur central, c'est toujours les mêmes, c'est grand. Je sais pas si techniquement il tient la route, mais c'est grand physique. Penalty là. Ouh, il est gentil. Je sais pas s'il touche le ballon, c'est compliqué. Heureusement qu'on n'est pas à l'OM. Si on avait été à l'OM, ça aurait gueulé. Quoique, je sais pas, c'est un club pro quand même. Pour rappel, hein, quand j'étais petit, quand j'étais au Girondin, on faisait des tournois et l'OM, je me rappelle, ils avaient été exclus d'un tournoi. C'était à Orvault ou je sais plus où, parce que les parents, ils gueulaient comme des cons, ils insultaient tous les joueurs. On n'est pas en Ligue 1, les gars. Ok. Centre. Alors ça, c'est un corner qui est joué à 2. Regardez, ils défendent bien. Quand il y a un corner qui est joué à 2, faut pas y aller seul. T'as un joueur qui va fixer ballon. Ils auraient pas dû aller les deux en même temps. Et lui, il va sur lui. Comme ça, voilà. Hop, on empêche le centre. Super. Et là, faut que ça sorte le TF. Allez, allez, on monte. Bien joué. Ça sort vite, tu vois. Sur le porteur de balle. Il met dans la boîte. C'est gardien. C'est très bien défendu. Voilà. A chaque fois, on voit des équipes qui défendent à 1 contre 2 sur corner. Le fameux corner à la rémoise. Si vous avez joué à PES, vous le savez. Pour les plus anciens, voilà, très bien défendu pour le TFC, logique. C'est une méthode qu'on apprenait chaque samedi matin avant l'éveil de match. On apprenait à attaquer et à défendre sur ça. D'ailleurs, ce dirigeant qui est derrière, je le connais. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais je le connais. Attends, d'ailleurs, je me suis focus sur lui, j'ai pas vu l'action. Ok. Duel. Ok, TFC. Y a pas faute. Hein. Non, il le prend pas derrière. Ok. Ah, perdu l'appui. Bien. Ça sort. Allez, faut poser. Bien défendu. Dur sur l'homme. Oh, il avait très bien joué avec son corps aujourd'hui, TFC. C'est quoi cette combi? What? Y a faute. Deuxième coup franc. Y a faute. Il touche pas le ballon. Touche. Doge. Contrôle. Pouah. Et là, ici, je comprends pas. Ouh, je suis en vitesse accélérée ou quoi? Non, je suis normal. Putain, ça, il y a de l'action là. Alors, coup franc, toujours en mètre 2. Parce que le gardien, ça va le déstabiliser. Il sait pas s'il doit rester dans le but ou si il doit sortir. Là, en l'occurrence, c'est un gaucher qui tire. Le gardien, archi mal placé. Le gardien doit toujours être aux deux tirs, un tiers. Il doit mettre un mec très fort ici, un homme de base là. C'est ce qu'il n'a pas fait. Ensuite, deuxième poteau. Putain, t'es en retard, genre du TF1. Faut que ça coupe, hein. Allez, ça ressort. Toi, tu vas gagner le duel, t'es plus solide. Oh, la faute.
En fait, ce qui est assez spécial avec les équipes des U19, de U17 NAS, c'est qu'ils sont en plein développement, donc du coup, ça a beaucoup. Il y a une grosse différence entre U19 et U17 en termes de vitesse. Et techniquement, ils sont pas encore, ils sont pas à leur prime, ou du moins, ils ont pas encore développé certains aspects. Donc, c'est parfois un peu brouillon et c'est un peu moche à voir, quoi. Mais je pense que ça va être un bon match. Quand on est rentrant, comment t'as placé ça, le mec de Marseille? Un homme de base, ok, un homme au premier. T'as vu, à chaque fois, tu mords à l'hameçon. Ça, c'est un gardien, tu le mets au deuxième. À chaque fois, il mord à l'hameçon. Vous êtes deux sur un même joueur. Toi, tu défends le blanc entre le but et lui, ok. On va voir ce que ça donne. Bon. Le 5, tu fais 2 mètres, frérot. Le 5... Vu que le 5 sort et qu'il était au marquage du 7, il y a incompréhension entre les deux. C'est un manque de communication. Il y a un manque de timing. Et derrière, le gardien battu. C'est sur des détails, hein. C'est la communication, c'est le choix, le bon choix au bon moment. Ça aurait pu faire but. Allez les gars. Exécuté. Propre, frérot. Bien joué le contrôle. Ouf, il y a de l'engagement. J'anticipe, l'OM, je ne m'attends à rien. Je m'attends à une équipe pas super forte. Je connais pas les classements. Si, je dis n'importe quoi, je crois que l'OM est, joue les playoffs contre Nice. Okay. Enfin, ils ont joué. Je l'ont, hop, à l'opposé. Fixe. Tac, mauvais contrôle. Un contre un, fixe côté. Bien joué, rentre intérieur, c'est le bon choix. Super, ça glisse. Il va revenir côté. Retouche. C'est le moment super. Dans la boîte. Lui, il est très bon, il défend du bon côté, ensuite il switch bien et il met le bras pour essayer de l'embêter. C'est un bon choix. Toi, tu sors à moitié, il faut y aller fort. Lui, il veut vraiment y aller, donc c'est normal qu'il gagne le duel, là c'est une question d'envie. Derrière, lui, il peut pas le toucher vu qu'il est dans la surface, il y va à moitié, logique, il l'embête. Ça sort. Toi, quand tu défends, tu te jettes, mais derrière, il y a un mec. Ah, si bien, ils ont les codes, main dans le dos, super. Et ça frappe. Il y a quelques codes hein, intéressants. Allez les gars, faut poser le jeu là, c'est normal. Ah, il y a mon gars sûr. Lui, je l'aime bien, lui. Dao, je crois qu'il s'appelle. Il marque beaucoup de buts. Mais il faut poser le jeu là. C'est le début de match. L'OM, à chaque fois, ça enflamme. Ça se voit que ça, c'est l'autre tableau. Hein. Les mecs, là, ils sont dans l'émotion. Là. Les gars, posez. C'est là où l'expérience doit faire la différence. Faut qu'il y ait un joueur qui temporise. Putain, Dao. Je crois que tu t'appelles Dao en plus. J'ai dit que t'étais mon gars, fallait marquer là. Comment sort le gardien? Non, tu dois marquer là. T'es du haut niveau, t'es U17, c'est une faute professionnelle. Tu dois marquer. Est-ce que extérieur fallait la taper? Peut-être. Mauvais shot sur face de P, peut-être. Allez, posez-moi un peu le jeu, les gars. Bien joué. Obtiens quelque chose. T'es gaucher, tu vas revenir, c'était sûr. Voilà. Bien joué, côté. Obtiens quelque chose. Ouh! Non. Au milieu de terrain, il aurait pu siffler, penalty, non. Ouais. Travaille le corps. 2. Allez, fixe, mets le pied. Voilà, super. Là, c'est l'harcèlement. C'est bien proche. Super, c'est hyper bien défendu du 2. J'ai envie de péter un câble. Là, j'ai envie de péter un câble. En première mi-temps, enfin au début de match, t'as bien défendu là, tu défends 1 contre 2, mais t'es sérieux là? Je suis coach, je le déboîte. Regardez, corner. Donc ça, ce joueur-là de Marseille a fait la passe à ce joueur-là. Il dédouble, tu défends seul, alors que vous avez défendu à 2 en première mi-temps, enfin au début de match. Et là, normalement, ce joueur-là, en plus, il est en dilettante, lui, ça touche. Faut taper fort, alors soit tu viens fixer, soit tu tapes fort deuxième poteau. En plus, pour faire de la merde comme ça. Non. Il va le découpe. C'est très bien joué, bien centré. Premier poteau, il n'y a personne. Aïe. Gardien, c'est le taf. C'est bien gardien. C'est très bien ce qu'il a fait, gardien. Regarde, voilà, ça déborde. Très bien le numéro 3. Il fait son job. Il tape fort premier poteau. Faut toujours taper fort premier poteau dans cette situation. Parce que le 9, il fait son job aussi. Ouais, il vient bien couper. Il passe devant. Toi, t'es au zoop. Toi, t'es en train de rêver. Il touche, je sais pas si le gardien a la dévie, mais le gardien était là, il a fait son job. Super, deuxième poteau, hop, si revient bien, il referme, super.
Ah, il y a de l'intensité. 10. Ça se voit, le 10, il a des qualités, mais il doit se faire des boîtes à l'entraînement parce qu'il joue à 2 à l'heure. Ou qu'il joue toujours sur le même rythme et qu'il peut encore aller plus vite. Le 3, allez, bonne qualité de centre, bien en retrait. Le 3 de centre de Cali. Pourquoi il rate? Parce que lui, en fait, il est trop derrière, il ralentit sa course. Et au moment de frapper, il regarde son corps. Penché. Il essaie, tu vois, il essaie bien de se focus vers l'avant. Mais le problème, c'est que son pied après, il monte. Chut, ça sort. Dommage. L'OM domine. Allez, voie du L9. 4. Non, y'a rien. Debout. Le 9 a des meilleurs appuis que le défenseur, mais le défenseur fait le taf. Bien joué. Allez, dos au jeu, fixe. Allez, propose quelque chose. C'est bien. Voilà, change de côté. Ok. Ah, le 11, il a fait un mauvais contrôle, il aurait pu aller plus vite. C'est dommage. Donc lui, tu vois, à chaque fois, lui est très bon, il a le bras, il tire un peu le maillot, c'est normal, il fait un peu chier. Il a des appuis très bas, tu vois, son centre de gravité est très bas. Un peu comme Fekir. Hop, il change de côté, lui, il est aux oubliettes. Tac. À ce moment-là, t'as tes dos au jeu. Ce jour-là, tu fais un pas vers ici, tu prends pied gauche. Pourquoi ? Quand tu prendras pied gauche, tu auras plus de facilité à passer l'épaule devant ce 8-là et t'aurais pu aller vers l'avant. Donc là, le contrôle a fait toute la différence dans cette situation. Pour après décaler côté, l'action se coupe parce que ça a rien changé. Obtient quelque chose, 10. Non. Il y a mieux à faire. Vous êtes 3, les gars. Faut ressortir. Bien joué. Passe l'épaule. Corner au 6 mètres. Là, t'es le boss. Ok, ça garde. Ok, le gardien de l'OM a des... Techniquement, est propre. Hyper intelligent. Putain, ça m'énerve. Tu fais un super truc hyper intelligent. À aucun moment, tu lèves la tête. Est-ce que tu lèves la tête? T'arrives, fin de frappe, tu piques. Les deux sont baisés, ils peuvent pas lever le pied. Sinon, ça fait obstruction et tu fais faute. Donc, t'as penalty. À ce moment-là, toi, 9, est-ce que tu dois plonger ici? Non, parce que déjà le 7. Putain, le 7, il avait le bras. Oh, c'est dommage. Mauvais choix. C'est des petits détails, hein, qui font une grosse diff. Hein. Ou un joueur qui est là, il y a un joueur qui est en équipe de France, il y a un joueur qui de très haut niveau, quoi. Là, on est au très haut niveau, mais le très, 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 très haut niveau, c'est je fais une diff et derrière, c'est efficace. Très bien joué. Allez, prends. Mets du rythme. Ça, c'est travail l'entraînement, ça. Bien joué. Ok, appui remise. Transition. Allez. Super 5. Très bon. Contrôleur hanté, passe l'épaule. C'est limite à chaque fois. Hein. Ok, il le fait. C'est la deuxième fois que tu le fais. Maintenant, ils savent. Obtiens quelque chose. T'as un bon toucher de balle. Super. Tu le refais encore une fois. T'obtiens un truc bien, je corner. Archi mal tiré. Il y a l'homme de base devant. Il y a l'homme de base. Mais ça fait. Donc déjà, l'homme de base qui est le numéro 4, donc ça se voit que c'est travaillé. Parce que le 9, s'il vient couper, il sait que c'est travaillé. Donc je retire ce que j'ai dit, c'est bien tiré par rapport à ce qui est travaillé à l'entraînement. Donc Dao, je crois, bien joué, déviation. Le numéro 4, il sort avec le pied, mais frérot, tu vas obtenir un penalty à ce rythme-là. Premier poteau, c'est ok. Homme de base, c'est de sa faute. Il voit que ça décroche, il doit être beaucoup plus rapide. Et en plus, il touche même pas. Tu lèves le pied, t'as failli faire main. Et derrière, tout passe. Et à ce moment-là, quand tout passe devant, c'est les mecs du TEF. Vous êtes face au but, c'est à vous de clouer le... Ah, toi, tu fallait que tu coupes 11. Boum. Et ouais, t'es déçu parce que je sais que tu t'es dit ça à ce moment-là. C'est bien d'avoir mis le bras. Voilà, pousse-le un peu. Voilà. Calme-le. Super. Ok, 11. Ah là là, t'avais le timing à droite. Perdu, c'est bon. Ils sont en place. C'est fini. Ils sont en place. C'est fini. Le timing est fini. C'est mon gars. Regardez la puissance d'appui. À chaque pas, il touche le ballon. Contrôleur hanté. L'autre, il est aux oubliettes. Il essaie de mettre le bras. Hop, il pose. Il tape. C'est un joueur. Ça se voit qu'il est sur classe 119 NAS. Ça se voit que c'est un joueur d'eau au jeu qui est très puissant et aussi dans la profondeur. Il a conscience de la rapidité d'exécution. C'est top. Après, la finition n'est pas bonne. Mais bon, c'est le jeu. Bien joué. Allez, 10. Très brouillon, hein, ça fait pas deux passes à part le ballon. Allez, on fait ressortir. Voilà, propose. Allez, 2. Voilà, contrôle droite, voie ailleurs.
passe entre deux. Oui, deux jeux, voilà, super. On va analyser ça. 1, 2, 3, troisième. Tape en retrait, s'il te plaît, au premier poteau fort. Il n'y a personne. Quand t'es dos au jeu, quand t'es attaquant comme lui, c'est hyper intéressant. Donc le 2, bien joué, lève la tête, tac. Hop, à ce moment-là, regardez. Ouh, on n'est pas loin, frérot, hein, à la VAR. Hop, il met la main, lui, bah, il se fait gainer. Et ce qui est très intéressant quand tu tapes extérieur du pied, c'est que le blanc ne peut pas intervenir. Le joueur avec le maillot blanc. Voilà. Et je pense qu'il avait anticipé aussi un contrôleur hanté dans la... Excuse-moi, dans la profondeur. C'est pour ça qu'il était parti. Bon, ensuite, t'as de la chance. Je voulais faire une aile de pigeon que t'as raté. L'appel, on l'a déjà vu, là. Hyper intéressant. Regarde, le 2 fait la passe. Et le 2, là, il part. Hop. Ouais, le 2, il est parti. Lui, il a déjà vu. S'il la met à lui, il a déjà vu. Donc, non. Il le met en soutien. En soutien très intelligent, le 10. Il a déjà vu le 2 qui est parti. Super appel, 2. Et là, boum, tape fort. En retrait. Sauf que là, le 8, t'es en retard. T'es en dilettante. Allez, comme un grand malade, là, tu dois couper le premier poteau. Dommage. Il va revenir sur pied gauche. Non. Ok. Allez, fixe. Il pouvait pas taper. Ça sort bien vite sur les TPC. Ça doit faire but, là. Ça doit faire but. Bien joué. Bien joué, Isma. Bien joué, Dao. T'as fait le bon choix. T'es attaquant égoïste, mais à la fois juste super. Validé ça. Célébration top. C'est bien, il faut profiter. Il faut célébrer, c'est important. Ok. Donc à ce moment-là, lui fait fin de frappe. C'est de sa faute. Je ne comprends pas. À ce moment-là, il fait une fin de frappe, tu vas lever ton pied, tu vas te jeter. Déjà, main dans le dos, essaie d'être le plus précis sur les appuis. Et regarde, tu te retournes le temps de repartir. Il a déjà pris la vitesse, bien joué Dao. La fin de frappe de Dao a complètement changé le game là. Il décale, Isma précis. Regardez au moment où Isma frappe, le gardien est en train de marcher. Donc du coup, ça lui passe sous le pied. Et but. Le gardien le sait, hein, il n'est pas sur les appuis lorsque ça frappe. Bien joué. Allez, mi-temps, 1-0 pour le TFC. Bien joué. Prends. Check. Fort premier. Il n'y a personne qui coupe à chaque fois. À l'OM, il n'y a pas d'attaquant. Allez, il faut que ça ressorte. Transition. Passe l'épaule. Bien joué. La faute. Là, tu peux le taffer. Allez, taf. T'es un bon joueur, toi. Allez, taf. Touche. C'est dommage. Mieux à faire. Il y a du mouvement à droite. Bien défendu. Super. Allez, touche 11. Et Isma. Bien joué contre le 3 quarts. Super. Appui remise, ça part. Oh, c'était hyper bien joué. Il y a Isma. Il est 3 quarts. Il est face au jeu. Il sait ce qu'il y a. Boum. Il a vu Dao. Normalement, là, c'est appui remise. Tu dois remettre à lui qui est sur le côté. Regarde. Regardez bien, il doit remettre au 3 je crois. Non, tu dois remettre au petit avec le chevelon là. Petit chevelon, décalé. Dao tu touches. Aïe aïe aïe, il voulait le mettre. Mais voilà, c'est bien, replay défensif, tu sais que c'est ta faute. Oh, mais pas, t'as pas dans le dos comme ça. Manque d'expérience ça. Mais bon, il le saura pour la prochaine fois. Mais j'ai eu peur. Je crois qu'il avait gardé. Tu peux le taffer. Bien joué. Allez, fais un truc. Ah, lui il a kiffé le flow de Memphis Depay. 10 qui sort, toi qui rentre. Allez, on fixe. En intérieur, super. 2. Protège 2, passe l'épaule, s'il te plaît. Obtiens, voilà. Corner. Ok, c'est bon, je checkais juste si sur le coup franc, lui, il était au marquage. Super. Je checkais, c'était hyper important. Donc toi, ah oui, il y a un mec derrière le mur qui est prêt s'il fait la passe à lui. Parce que lui part. Donc ça fait perdre un joueur dans la surface. Tu tires fort, ça va au deuxième poteau. Non, c'était hyper mal tiré. Hein. Après, il faut suivre de plus près. Centre fort. Il n'y a pas penalty. Relève. C'est bien. Il y a faute là par contre. Appui remise. Allez, passe l'épaule. Il est parti. Ah, dommage.
Regardez l'attaquant. À ce moment-là, poum, il tape. Après, je sais pas si y a un autre joueur qui couvre, s'il était hors-jeu ou pas. Mais il aurait pu. Allez, passe l'épaule, toi. Mets du rythme. Super, physiquement, t'es plus fort. Oh, t'abuses. Allez, marque. Frappe croisée. Ok, quand t'es un gardien et que tu veux choper un ballon comme ça, tu vois, tu poses le genou pour assurer la sécurité, sauf qu'en fait, il a stoppé ses appuis et la trajectoire du ballon, il l'a mal assuré. Et quand tu vas chercher un ballon côté avec tes mains droite et gauche, t'as aucune sécurité. Faute de main. J'ai été gardien TFC, je sais ce que c'est de faire une erreur. Je ne critiquerai pas. Mais tu joues au TEF, c'est quelque chose qu'on apprend à 8 ans. T'avais juste à faire un tout petit pas. Tranquillement, le ballon, la frappe n'était pas dangereuse en plus. Ah, je sais pas quel contrat tu as ou qui tu es, mais si c'était ton match de chance, tu vas te faire sauter. Y'a pas faute. Bien joué Enzo. Y'a pas faute. Bien joué, mais oui. Super, on est chez nous ici, c'est bien, nickel, hop. Et merci la zone. Ouais, lui c'est un pote là. Il savait qu'il y avait la cam. Là, il est là pour les caméras, lui. Lui, il est là pour les caméras, Enzo. Donc on va analyser ça. Et c'est très bien. Et Enzo, tu vois, tu devrais aller voir ton gardien pour lui dire c'est pas grave, pour lui remonter le moral, hyper important. Alors. Joueur de Marseille. Tu veux passer ton pied, tu le passes, sauf que t'es trop court. Ensuite, il passe ta cuisse devant toi, donc y a pas faute. Et directement, il va taper, gaucher. À ce moment-là, le gardien adverse va anticiper sur sa droite, mais lui, tu la mets croisée. Oui, il a un temps de retard, il avait anticipé là-bas, il la met là. Ça fait but, on n'en parle plus. Les gars, faut aller voir le gardien, lui dire, écoute, voilà, t'as fait une faille, c'est pas grave, y a 2-1 maintenant. Fais plus de failles, frérot, sois solide, rapporte-nous les points qu'il faut. Allez, maintenant on est solide. Gardien, fais un arrêt décisif pour te rattraper. Allez, sortie aérienne, non, dos. T'as vu, ok. Ah, ils font la même méthode, l'OM. Homme de base, premier poteau tillé, homme de base derrière, sa main coupée, ça laisse passer. Bien joué. Bien tenté, 3. Un jeu 13. Côté... Va fixer. En retrait, s'il te plaît, en retrait. Tiens, sur les côtés, TEF et l'OM, on voit qu'il y a du SP, ça fait le taf. Il décale côté, il met fort devant, c'est ce qu'il fallait faire. Est-ce que le gardien de l'OM devait sortir? Non, parce qu'il y a lui, il y aurait eu conflit. Regarde, lui, il passe devant. Le joueur du TEF était passé devant. Est-ce qu'il aurait pu l'avoir? Non. Est-ce qu'il y avait un mec en retrait en plus? Donc. Je contrôle. Ouais, c'est une question de contrôle d'aller beaucoup plus vite. C'est hyper ma sortie du joueur du gardien de Marseille. Fallait piquer. Toi, t'étais hors jeu, donc il ne pouvait pas te la mettre. Pas si évident que ça. D'ailleurs, dites-moi à la team dans les commentaires ce qu'il aurait pu faire. Intéressant. Allez, 2-1, on rapporte à la fin du match. Allez, passe l'épaule. Bien joué. Vers l'avant, 3 quarts. Bien joué, t'es face au jeu. Mais là, c'est excellent le timing. Faut qu'il y a personne, non. Il n'y a personne au centre. Il y a personne au centre. Ça sert à rien que tu... Il n'y a personne. Il va te doubler. Bien. Faute. Il est gentil l'arbitre. Hein. Est-ce que tu passeras l'épaule ou non? Là, c'est la revanche, là. Ah, t'as trop été égoïste. Tu vois, c'est ça, le joueur qui vient de rentrer, je sais pas si c'est un titulaire qui aura une blessure ou si c'est un remplaçant ou qui a sa chance, mais ça se sent qu'il va absolument prouver. Donc du coup, là, il a fait le mauvais choix, par exemple. Tu me régales!
Regardez l'intelligence de jeu. J'ai fait une conférence il n'y a pas longtemps pour les milieux de terrain, où la qualité numéro 1, c'était le quotient intellectuel football. Regardez. Normalement, tu dois faire un contrôle de 3 quarts. Vous avez vu, il a déjà checké. Normalement, tu dois faire un contrôle de 3 quarts. Là, il recheck. Sauf qu'il sait que ça arrive en force. Donc, pour protéger le ballon, je fais contrôle pied droit. Là, il va mettre le bras gauche. Protéger. Oui, et après, il part. Ce joueur-là, Isma, est super intelligent. C'est un joueur sur qui il y a un bon terreau fertile à développer. Il y a une bonne lui en SP, tu le prends. En prépa physique, tu le développes un peu plus pour qu'il soit un peu plus puissant. Et ce joueur-là, il peut aller loin. T'as qu'à faire les bons choix entre deux. Attaquant. Allez, pousse. Là, tu vois, il aurait du jeu dans les pieds. C'est un mauvais choix. Donc, il y a encore à améliorer. C'est ce que je t'ai dit. Mais déjà, le fait de checker, tac-tac, il n'est pas au TFC pour rien. C'est des micro-détails qui font la diff. Ça tire le maillot, c'est ça, c'est le jeu. C'est bien tiré en retrait, tape. C'est bien tiré en retrait, tape. Voilà, c'est bien tiré. Et je sais ni, voilà. Il sait où est la caméra, l'enfoiré. Ah, il a coupé au montage, je crois que c'est pour préserver la carrière du joueur du TF. Ça se trouve, il a dit une dinguerie. Non, mais c'est bien, on va remettre. Qui a fait le centre? Ok, le caps, très bon centre. Premier poteau, il n'y a personne. Parce que s'il tape, tu vois, le mec qui aurait été au premier poteau aurait sauvé le ballon. C'est pour ça que le premier poteau, pour moi, c'est une obligation quand t'es sur un corner. On va regarder la tête. Déplacement de A à Z. C'est le 12. Le 12 est vraiment seul. Lui, il était parti en anticipation. La tête, il vient l'embêter au duel. Au moment où il y a la frappe, le gardien a ses appuis dans les airs. Au moment où il pose l'appui, c'est battu contre-pied. Au revoir. 92e minute, je pense que le match est plié. Bien joué, Seni. Allez, Isma. Régale-moi. Allez. Reviens. Repli. Bien joué, l'épaule. Allez, super. Bien joué, 13. T'es un bon joker. T'es rentré, t'as fait la diff. Et en plus, tu décroches, tu proposes, t'es demandeur. Lui, il va obtenir un truc. Voilà, il est malin. Il passe l'épaule, s'il tombe bien faute. Allez, passe. Replay défensif. C'est très haut, en retrait. Passe l'épaule, obtient un truc. Là, tu vois, le joueur du TEF, par ego, il est resté debout. Hop, je tombe. Tu te laisses tomber, il y a faute, tu grattes du temps. Pour l'expérience, pour la prochaine fois. Bien joué, gardien. Centre fort premier pour le 12. Le 12, il doit couper, là. Corner. C'est cheaté quand t'es grand. Hein. Là, si t'avais été un petit, t'aurais fait main opposée, parade. Quand t'es grand, c'est les avantages. D'ailleurs, il aurait pu même sortir dans le jeu aérien. Mais bon, il a fait une boulette avant, il est plus en confiance. Et voilà, faut qu'il, petit à petit, qu'il rentre dans le truc. Quoi. Bastos. Pouf. Oh, ça aurait pu être un beau truc. Fin du match bientôt. Dernière action. 1 contre 3. Voilà, c'est le très bon choix. Ralentis tranquillement, obtiens quelque chose, un coup franc, une touche. Gratte, tu gagnes. C'est fort. Très bien, t'as gratté du temps. Bien, joué. Super les joueurs du TEF. Alors là, il y a pas mal de choses à dire. La team est restée pour la débrief de fin. Alors, première chose. On voit un premier point, début de match, c'était brouillon. Et on voit qu'il y a beaucoup d'intensité. L'OM sont connus pour mettre beaucoup d'intensité en début de match. Ça, c'est bien connu. Deuxièmement, on voit la puissance des latéraux. Les latéraux, la plupart des buts viennent des côtés. Ça centre fort, c'est précis. Ça coupe bien au niveau des attaquants. C'est top. Ensuite, vous avez vu que tous les duels qui se passent au milieu de terrain, remportés ou perdus, font que les transitions se font ou pas. Un match se joue au milieu de terrain. Donc, tous les milieux qui regardent ce match-là, vous devez absolument voir... l'espace libre, vous placez entre les lignes, l'intervalle et jeu de 3 quarts. Si vous avez ces 3 points là en tant que, 4 points là en tant que milieu de terrain, vous avez votre place sur le terrain. Après, il faut que physiquement vous répétez les efforts et que techniquement vous suivez, que vous n'ayez pas des pieds carrés. Ensuite, quand tu es gardien là-dedans, il y a eu très peu de sorties aériennes.
On aurait pu en voir plus. Mais les gardiens, voilà, ils ont décidé de ne pas prendre de risque. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais pu dire de plus ? Défensivement, ça a été très fort. On voit que c'est des équipes de haut de tableau, des équipes qui sont très solides. Et ensuite, tout s'est joué sur des micro-détails, sur des boulettes, sur des erreurs, sur des détails de marquage. Et on peut voir que tous les joueurs sont cuits à la fin du match. Ça allait jusqu'au bout. En général, les clubs amateurs tombent au bout de la 70e. Les clubs pros, ça va jusqu'au bout parce que ça s'entraîne tous les jours. Donc, c'était un match de très haute intensité. Vous avez vu que ça se joue beaucoup sur les duels, sur les déviations et sur quelques combinaisons. Donc, et qu'il y a très peu d'espace de disponible aussi aux différents postes sur le terrain. Donc, vous savez quoi travailler maintenant. Vous savez quel est le niveau que vous devez atteindre si vous êtes en NAS pour passer pro. Et si vous êtes en district ou en régional pour passer en NAS. Voilà la team NE. Abonnez-vous à la chaîne. Faites-moi vos retours dans l'espace commentaire. Explosez la barre des likes. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.